Regardez bien la personne, elle est très agressive et violente envers le journal. Même deux fois, il le donne coup de pied très très fort et qu'il les note, mais est en faveur de Jordan. Ce garçon, l'adversaire de Jordan, il a presque 30 cm plus que Jordan et 7 kilos plus que Jordan. Ce n'est pas normal qu'il combatte avec quelqu'un qui est plus grand et plus épais que Jordan. Dès le départ, j'ai constaté ce qui s'est passé en déplaçant sa mère qui est juste à droite en train de filmer. Et j'ai exposé le problème à maître. Vas-y Jordan, oui. Jordan, mais lui, il était sûr qu'on ne va pas le mettre Jordan avec cette personne-là. Mais à la fin du combat, quand tout était fini, voilà, vous voyez, ils ont mis avec Jordan qu'il gagne, mais il ne va pas gagner. Vous voyez comment il est très violent. Bravo, Jordan. Vous voyez, Jordan, trois fois il va gagner. Oui, Jordan. Même les arbitres, on va voter en faveur de Jordan. Vous voyez, même, voilà, c'est Jordan qui trois fois il va gagner. C'est le travail d'enfant. Mais quand même, il faut le noter, il faut le dire, qu'il reste dans l'histoire et qu'il ne joue pas avec... les enfants comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui a perdu, il a perdu. Voilà, c'est sa mère à droite qui est en train de filmer. Et après, il va parler avec les arbitres. Et au moment qu'ils vont annoncer, on va mettre le jeune homme, la personne qui s'appelle Guillaume, en première, qui n'est pas à sa place, en première. Vous voyez, bravo, Jordan. Vous voyez, trois, quatre fois, Jordan, pourtant la personne plus grande, plus épaisse que lui, mais il va gagner. Voilà. Merci, maître Alain. Bravo Jordan! L'arbitre, il va le consulter avec les autres qui sont assis. Tous les quatre, ils vont voter en faveur de Jordan. La personne debout à droite, que vous l'avez vu, gilet jaune, c'est le parent de Guillaume. Après, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Regardez. Le jeune homme, il vient. Ah là, il annonce comme voilà quoi Jordan! Bravo! Jordan était le bravo. Vainqueur. Le garçon, il est en bravo, train de parler avec l'autre, mais en train de pleurer. Même, merci. Mais quand même, voilà, la personne gilet jaune à droite, il est le parent bravo, de la personne qui a perdu en face Alain, de Jordan. Merci. Vous allez voir, maintenant Jordan il est avec son maître, Alain, et le parent, vous voyez, il est en train d'avancer, en train de parler avec les arbitres. Vous voyez, les arbitres, ils sont en train de noter après leur vote, mais le parent, il est... à gauche maintenant, vous voyez plus, mais vous allez le voir, avec la vieille gilet jaune qui était membre de l'équipe, ils vont tricher, voilà. C'est tous Diop de Saint-Loire. Deuxième, Iliès Filani de Saint-Loire. Troisième, Jordan Abbassi de Herblay. Bravo Jordan. 5 mètres du judo qu'ils ont vu le film, ils ont confirmé comme quoi c'est Jordan, ils ont triché, et vous voyez que le Guillaume il est premier, etc. Ah, vous voyez, il ne veut pas jouer avec le pensée des enfants, dès les ils sont des enfants, hein, c'est des enfants, et on triche comme ça, ce n'est pas beau dans un tournoi qu'on fait comme ça, vous voyez, puisque la personne, le parent de la personne qui a pleuré, qui était très grande en plus, il a parlé avec les autres, vous voyez, ils ont comme ça changé la vie des arbitres, voilà.